Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du spécial jeu Alice Madness Returns. J'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va. Hop, alors on commence déjà avec les touches. Hop. J'étais en train de me dire pour une fois que ça fait quelque chose et que ça ne m'affiche pas. Avantage du jeu peut-être. Ça a l'air d'être ça. Ah. Attendez. Non, c'est bon. Ok, juste un gros freeze. Il m'a fait bien me faire défoncer, je crois. Le freeze là qui me fait flipper. Il y a un groin quelque part, on va le trouver. Est-ce que, ouais, non, je crois pas que, ouais, il n'y a pas quoi que ce soit. Alors on peut se balader un peu dans le coin du coup. Je crois qu'il y en a un autre, l'ennemi.
Pas du tout. Ah bah... j'ai assez. Ah mais j'avais déjà assez, je croyais que c'était 750 pour améliorer. Pas du tout. Hop. Voilà, puis 800, d'ailleurs ouais, il manquera plus qu'une seule amélioration en fait. Pour le glaive. Ouais, j'avais envie, je préfère améliorer le glaive. Ah mais il est là-haut, je l'avais pas vu. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Bah, j'ai rien eu. Je sais pas qu'est-ce qui devait faire apparaître. Ça a fait une lueur jaune. Donc soit c'était une bouteille, soit c'était peut-être un panier. J'espère que c'était pas une bouteille parce que ça compte dans le pourcentage quand même. Je sais pas si un pourcentage de 100%, mais. Mais en tout cas, c'est dans les statistiques affichées. Donc je n'ai pas envie de. De ne pas l'avoir. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'on va là. C'est pas depuis ici non plus, non? C'est peut-être juste un saut un peu tricky qu'il faut faire. On va réessayer ça. Assez violent. Je pense que ça peut passer, mais du moins ça peut passer quand tu ne prends pas un mur invisible. Souviens-toi, Alice, ne blâme ni les ténèbres ni le froid lorsque tu lis le soir. D'accord. Attention, garde ton calme. Saute sur les vents, le suivant, et ainsi de suite. Thank you.
Alors moi je ne vois presque rien, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je ne voyais presque rien ici. Oula, oula, oula. Attendez, je vais augmenter un peu la luminosité parce que j'avoue que je vois pas grand chose, quoi. Je peux aller sur la plateforme du milieu. Ah mais attendez, déjà il y a un truc. Ok. En fait c'était la suite. Alors je devais forcément aller là-bas. Moi je pensais que j'allais trouver un petit passage secret et tout. Que dalle. Les chats auraient ma vie. J'espère que tu en as autant. Oh là là, encore ce petit truc là. Je pense qu'on améliorera sûrement le moulin à poivre après. Tu n'es pas la bienvenue ici. Nous avons une mission à remplir. T'es tué une contrariété intolérable. Certains l'aiment chaud, mais personne ne l'aime si chaud. Ha! Du coup, c'est là que sont les bras du chapelier. Oui, pour rappel, le chapelier a perdu, quelque peu perdu de ses membres. Ok.
Ça monte un peu. Vous avez vu là-haut? Enfin, ouais, non, je peux pas le faire péter d'ici, si. Je peux pas faire péter à mon propre vol. Je veux quand même essayer. Mais... je pense pas que je puisse en faire. Oh, par contre, elle met 10 ans de vitesse, c'est. Ah oui, non, même pas. Déjà, c'est pas. Voilà, c'est un peu haut. Ça va remonter là, non? Quoique, peut-être continuer à garder assez pour améliorer le warp à l'enfant. Est-ce que c'est ce qu'on utilise le plus dans le jeu? J'ai les bras dont tu as besoin. En fait, à dire vrai, c'est le chapelier qui en a besoin. Ah, mais ça n'a pas d'importance, je vais t'écraser. Je veux juste vérifier un truc. Oui, ça filme bien. C'est un petit bout de temps que j'avais pas eu ce petit stress. Je stresse un truc qui est que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un passage secret invisible. Vous savez, ceux qui sont avec des rochers, des trucs comme ça. J'ai réussi à tirer là-dessus. Ok, on y arrive. Je mets tout à côté. Mis à part ça, on gère. Je croyais que c'était le vide là, je captais pas du tout que c'était un. Attendez, il y a une plateforme, mais il n'y a rien. Non. Ok, yes, il n'y a eu aucune galère ici. Mais... help! What, on va se faire tomber, hein. Il semble que ce soit pas possible de remonter, sinon. Il faut être patient, et alors ça c'est pas ma première qualité.
Je vois bien qu'il n'y a rien, mais je préfère quand même aller dessus pour voir. Un empêchement temporaire. Obstacle mineur, défaut négligeable. Je vais l'ignorer et m'occuper de toi plus tard, Alice. Tu n'empêcheras pas notre plan. J'espère ne rien louper en coin. Hop. Non. Ah non. Ok, c'est juste un peu de lumière. Je croyais que c'était une bouteille en fait que j'avais laissée. Non, bah, je crois que j'ai tout. Tu seras remercié quand je serai tout reconnu. Ne dors pas sur tes lauriers. Tes chiffonniers, des chaises longues, des chaises pliantes, bon. Bon, c'est une bouteille que j'avais déjà récupérée, ça. Vu que nous sommes de retour ici. Vu qu'il y a deux endroits où il faut aller. Ok. Ok, on va donc aller à chauffage et pression. C'est un moyen de locomotion plus que qu'appréciable. Écoute le chat. Tout le temps écouter le chat. Le chat de Cheshire. L'étendue de cette désolation n'est connu que de ceux qui en souffrent. Qu'est-ce qu'on est fort fatal ?
nouveau chef, le lièvre de Mars. Jusqu'à votre dernier souffle. Ça va, on parle vachement à lui. Jusqu'à votre dernier souffle, nous vous le rendrons au centre. L'industrie vit de nos souffrances, avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme, en Australie. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. Je ne sais pas qui c'est lui. Hein. Voilà. Ok. De toute façon, les personnages, on va les découvrir petit à petit, hein, parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore vu. Après tout, spoiler alert, on est au début du jeu. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Si on bouge pas, elle la pose ses pieds comme ça. Okay. Aussi en bas là. Ok. Good. Petit collectable ici, voilà. Je voulais pas tirer, mais gâchette sensible. Attendez, attendez, je crois que j'ai loupé des petites choses. En fait, réellement, j'ai aucune idée de comment je pense. Ouais. Ça c'était bien joué de ma part. Je fais nimp. Je fais nimp, je fais nimp. Ah oui, non mais attendez. Pas du tout. Pourquoi j'ai un petit papillon là? Je sais pas si vous avez vu. What? Je suis où? Mais what? Je suis au début de la zone. Qu'est-ce que je fous là?
Il est où l'interrupteur? Normalement, il y a un interrupteur qui... Ok, il est en face. Ouais, alors, merci. Mais merci. Eh, vraiment, faut arrêter ces changements de caméra. Surtout, je sais quoi que ça fait ça. Alors, attends. Plateforme invisible. Non, mais c'est pas comme ça que je gère tous les cas. Comment je fais-je? Il se passe quoi si je fais ça? Absolument rien. Je suis ravi. Je vais pouvoir monter sur ça peut-être. Bon, on va faire notre vie, on verra. Là, ça fait pas de cinématique, c'est bien, c'est pas chiant. Peut-être que c'est après, hein, tout simplement. Je m'excite pour rien là. Ça monte plus haut, ouais, voilà. Ok, tous nos soucis sont envolés. Ouais, attendez. Ouais, non, ça change pas mon problème en fait. Bon, j'ai pas bien fait attention, là je vais être retourné au tout début de la zone, voilà, c'est cool. Les checkpoints sont un poil cassibium. Et ces changements de caméra le sont tout autant. Bah, ça se sent que quand on joue sur un vieux jeu quand même. Hein, parce qu'il y a des soucis parfois. Voilà, voilà quoi. Après, le jeu est bien. Mais... On sent voilà, que c'est des trucs qui sont un poil chiants des anciens jeux. Du coup, la cinématique, à chaque fois qu'on utilise un interrupteur, ça c'est dans beaucoup de jeux. Même dans des anciens Zelda, il y a ça. Du coup, faut que j'y réfléchisse maintenant et comment je monte là-haut, moi. Oh purée, j'ai flippé. Après, réellement, c'était pas très grave parce que c'est juste pour des dents. On a perdu 5 minutes de notre vie pour des dents. Ah, mais merde! Ça gardait la porte ouverte aussi. Oh là là, mais ça par exemple, vous voyez, genre. Pourquoi? Genre, je veux dire, la porte, tu peux juste la mettre ouverte. H24, ça changera rien à la vie, hein. Plus qu'un slogan.
ça, mais vas-y, ça marche. Ouais, je me dis qu'on va peut-être y monter jusqu'au... en 800 dents. Au moins ce sera fait. Ça se trouve, le temps que j'ai 800 dents, on aura déjà débloqué une nouvelle arme qui m'intéressera plus. Oh my god! Moi, parfois, quand je m'y mets, hein, pas doué. Que ça te fait pas recommencer tout le combat. Et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas trouvé des groins ou des trucs là. Surtout des groins. Un peu. Ah bah là, un souvenir, déjà, ça c'est cool. Certains insectes mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre. De leur vie ou de leur mort. Merveilleux. Non mais les insectes, c'est des animaux que je trouve très... effrayants quand même. Hein. Les animaux. On va appeler ça comme ça. Qui bouffent leurs petits, il y en a qui bouffent leurs parents, il y en a qui bouffent leur mari, enfin voilà. Vous imaginez quand même la vie d'une menthe religieuse? La vie d'une menthe religieuse pour un mec. Surtout. Parce que. Hop! Enfin, on fait des gosses, puis tu me échecs ta tête juste après. Sympathique quand même. Je sais même plus pourquoi ils font ça, les monstres religieux. J'allais voir une explication, mais... laquelle je ne sais pas. Mais est-ce que les monstres religieux, mal, elles le savent qu'elles vont se faire bouffer la tête? Est-ce que c'est quelque chose qu'on leur inculque dans la vie? Tu poses des questions aujourd'hui. Je trouve qu'on parle pas assez dans cette plaie, pour l'instant. Le mec dit ça, on est juste au troisième épisode. Il faut parler des choses de la vie. Voilà, les menthes religieuses,
pauvre vie, quoi. Non, par contre, je sais pas c'est quel insecte qui bouffe ces petits. Je crois qu'il y a des animaux qui le font, ça, de bouffer leurs petits. Enfin, des insectes. Je sais pas si c'est quel animal qui fait ça. J'essaie de me souvenir, j'avais vu ça, quelque part. L'animal qui bouffe ses petits s'il a pas de nourriture. Et du coup, c'est peut-être un insecte en fait, pas un animal. Pour moi, c'est plus un animal, mais je vois pas lequel. Comment j'ai ce qu'il y a dans cette cage? Là-dedans, on est d'accord, hein, c'est un piège, c'est pour ça. Le soleil passe pas. On a essayé. On aurait essayé. Je laisse pas du tout un souvenir ici comme ça, moi. Après, ouais, c'est peut-être après, hein, là, qu'il y a un interrupteur. Ça se trouve, en fait, ça passe juste. Hein. Purée, ça passe. Le canari s'endort dès qu'on couvre sa cage, Alice. Comme par magie, il dort du sommeil du juste. Comme maman et papa, ils dorment comme des lois. Bon, bah, j'ai bien fait de essayer d'avancer parce qu'on ne peut plus revenir en arrière après. Ça, des moteurs. Ton entêtement finira par te blesser. Tu aurais mieux fait d'écouter mes avertissements. Les gens sont donc, là. Sans un regret, je m'apprête à te faire bouillir comme une écrevisse géante. J'aime beaucoup son design à lui. N'empêche, je jauge très mal les sauts de ce jeu hein, parce que pour moi je pouvais pas aller aussi loin quoi. Oh là, je l'avais pas vu celui-là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, pourquoi t'as dashé à gauche? Fallait dasher tout quoi. Quelle idée folle. Je peux pas le détruire ici le truc. On va perdre du temps avec ça. Thank you.
sens mal. Niveau collectable, on en est plus que 2 bouteilles, 4 souvenirs et 4 groins. J'ai un peu peur d'avoir loupé des groins parce que je me dis que 4, enfin plutôt 4, il y en reste 4 quand même. Et là on n'en trouve aucun dans cette section, donc je flippe un peu. Attendez, c'est pas où pour se barrer? Je pars. Mais quoi, c'est pas un ascenseur qui monte ça? Ah ouais. Ok, fallait que j'avance certainement de 2 pixels à tout péter. Et je n'ai pas avancé de 2 pixels à tout péter. Bien évidemment. Je me suis trompé de tout, je voulais faire le dash, je me suis trompé. Alors normalement si vous avez entendu un bruit Windows, c'est normal, je vais quand même vérifier. Oui c'est normal. Oh là, mais on est long dans l'épisode. On finit cette section et on s'arrête en fait. Magnifique plan de caméra. Je sais pas si vous avez vu. Le mur quoi. Stop, ça suffit là. Arrêtez-vous, bande d'imbéciles. Tu crois nous arrêter? Ça c'est la meilleure. Je me retire. Tu ne m'auras pas. Non, ça jamais. C'est pas aussi long dans l'épisode là, waouh. Surtout que là il va y avoir de la cinématique. J'ai terminé. Vous êtes entier, Chapelier? Bien. Maintenant, qu'en est-il de ce maudit train? Je suis un nouvel homme! Ou nouveau quelque chose. Je suis comme une lame neuve. Comme une si caustique. Comme la poutre aveuglante qu'on a dans l'œil.
Répondez-moi, Chapelier. Je souffre. Les changements ici sont-ils cause, reflet ou... effet ? Oh, que se passe-t-il ? Quelles sont les nouvelles règles ? La règle est juste. Juste à portée de voix. La voix qui mène au savoir. Savoir comment mesurer les règles avec une règle. Règle cruelle. Idiot, vous étiez mieux en morceaux. Venez, vous pouvez au moins m'aider à trouver ce qui se passe ici. Ok, d'accord. Violence, on se retrouve là d'un coup, bim. Ok. Du coup, on va se laisser à pour cet épisode. Il y a un groin et un souvenir. Mais là, je pense qu'on a la fin. Je pense que j'ai raté des trucs. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, bye bye.